à tous. Je suis ravie de vous retrouver après, disons, quelques semaines, quelques mois où je n'ai pas été du tout régulière en fait dans mes vidéos. Je sais que de toute façon vous le comprenez, qu'il n'y a pas de souci avec ça. Et je vous en remercie d'ailleurs. J'espère juste que vous ne m'oubliez pas. Et voilà, là ça y est, normalement je suis à nouveau dans un état d'esprit et dans une disponibilité afin de me replonger dans les vidéos que je vais vous proposer, que ce soit dans des roleplays, que ce soit des vidéos blabla. Donc voilà, aujourd'hui ça me donne l'occasion justement d'en faire une. Et voilà, de façon un peu plus chuchotée, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de soft spoken dans mes roleplays, mais je ne fais pas beaucoup de choses chuchotées, j'avoue. Et voilà, donc c'est une façon là aujourd'hui de refaire une petite vidéo, tout en incluant un petit peu de chuchotement pour ceux qui aiment ça. Voilà, donc j'ai été très très irrégulière ces temps-ci. Et donc, bah voilà, là, je repars sur les chapeaux de roue, on va dire ça comme ça. J'ai pas mal d'idées au niveau de mes roleplays. Je sais que pour la plupart, et c'est aussi ma marque de fabrique, entre guillemets, c'est que j'essaie toujours de trouver des fins inattendues pour mes roleplays. Je crois que c'est ça, en fait, le plus difficile, parce que des idées, j'en ai pas mal, mais je me dis, mince... Je pense que mes abonnés doivent être en attente un peu de la fin un peu particulière que je mets généralement à la fin de chaque vidéo. J'essaie toujours de trouver une chute un peu rigolote ou un peu inattendue, mais c'est pas du tout évident en fait. J'ai souvent les mêmes idées qui reviennent de chute et je me dis, mais en fait là, ils vont deviner tout de suite. En fait, le but, c'est quand même de trouver une chute ou une fin à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc, c'est vraiment ça le plus difficile, en fait. Voilà, donc j'espère que vous serez tolérants sur les prochaines vidéos s'il n'y a pas forcément de chute. Pour autant, j'espère faire des vidéos quand même qui seront de qualité et qui vous permettront de passer un bon moment, peu importe la fin, en fait. Voilà, bon, alors évidemment, si je trouve une chute inattendue, c'est encore mieux. Ce serait the cherry on the cake, mais voilà, je ne vous le garantis pas. C'est l'occasion pour moi également de vous dire que à part faire des roleplays comme ça, j'ai envie de faire aussi un peu plus de vidéos en rapport avec la relaxation, la détente, vous faire passer peut-être des petites séances, même si je n'ai aucune prétention. Voilà, je suis absolument pas psy, ni thérapeute, ni quoi que ce soit. J'ai aucune formation dans quoi que ce soit, si ce n'est mes propres expériences par rapport à toutes les vidéos ou à tous les livres que je peux lire en rapport avec, justement, avec tout ça, avec le fait de se détendre, de se relaxer, de prendre du temps pour soi, de méditer, etc. C'est surtout par rapport à mes expériences que je peux essayer de faire des vidéos qui... peut-être vous relaxeront ou du moins vous mettront pour le temps où vous regarderez la vidéo au moins dans un état de voilà d'apaisement de lâcher prise de relaxation voilà j'espère juste que mon manque de formation à ce niveau-là est juste. Mes propres expériences personnelles vont quand même vous apporter un petit plus, un petit quelque chose. Vous me direz d'ailleurs hein, si ça vous a fait quelque chose ou pas. Je vous dis ça parce que la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne sera justement une vidéo détente. Alors je sais qu'il y a certains d'entre vous qui préfèrent ça. Et ben c'est pour ça que je me suis dit, enfin aussi bien pour moi que pour vous, moi j'aime faire ce genre de vidéos et j'aime savoir que ça peut vous provoquer aussi du bien-être. Et voilà, il n'y a pas que l'ASMR et donc j'ai pas envie de faire
sur ma chaîne que de l'ASMR, même si c'est Lady Triggers ASMR. J'ai envie que ça apporte aussi plein d'autres choses à côté. Alors certains peuvent trouver de l'ASMR même là où il n'y en a pas à la base, c'est-à-dire sur une vidéo de relaxation normale que je vais faire. Vous pouvez peut-être trouver que ma voix vous provoque peut-être des frissons ou peut-être, je ne sais pas, ça peut être peut-être la façon dont je bouge mes mains pendant la vidéo ou quoi que ce soit. Mais même si c'est, ce que je veux dire, c'est que ce ne sera pas forcément fait exprès, mais peut-être que pour vous, ça vous apportera quand même les mêmes sensations que sur une vidéo ASMR lambda, quoi. Voilà. Donc, voilà pourquoi je la laisse quand même sur ma chaîne. Voilà, je pense que, enfin, il faudrait que je mette peut-être un symbole ou quelque chose, des initiales, ou pour que vous sachiez vous repérer sur les vidéos que je mets en ligne, c'est-à-dire justement pour ceux qui veulent un roleplay avec une fin inattendue, peut-être mettre FI. Donc pour ceux qui me suivent régulièrement et qui verront la vidéo de blabla que je fais aujourd'hui, vous saurez dans le titre, quand il y a FI, qu'il y a une fin inattendue. Ou alors CI, chute inattendue, je sais pas. Je pense que je mettrai ça dans les titres. Alors pour ceux évidemment qui n'auront pas vu la vidéo d'aujourd'hui, il y en a peut-être qui me demanderont, mais ça veut dire quoi, CI ou FI? Bon ben voilà. Je répondrai bien sûr à cela pour ne pas les laisser non plus dans le flou. Mais c'est de toute façon quelque chose que je vais mettre en place, voilà, ça vous mettra un repère. Et donc si dans le titre il n'y a pas FI ou CI, ça voudra dire qu'il ne faut pas vous attendre à une chute particulière, quoi. Voilà. Mais j'espère que ça ne vous empêchera pas pour autant de regarder la vidéo. Et de passer un bon moment. Et peut-être que vous pouvez même éventuellement me donner des idées. Sur les vidéos où j'aurais pas mis de chute, peut-être vous dans les commentaires me dire ah bah tiens, moi j'aurais mis ça, ou tu t'aurais pu faire ça, voilà. Et ce qui fait que ça pourra me donner aussi des idées pour mes vidéos prochaines. Voilà, donc je vous mets, si vous le souhaitez bien sûr, à contribution, mais c'est vraiment pas une obligation du tout. Oui, lors de mes vidéos blabla, je serai toujours en train de boire quelque chose. Voilà, je suis très adepte d'infusions de toutes sortes. Donc voilà, et je bois. Je remédie à ça parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup. Je saute du coq à l'âne, hein, je suis désolée. Mais je bois pas énormément d'eau, en fait. Enfin, je n'en buvais pas beaucoup. Et je sais qu'il faut boire régulièrement de l'eau pour s'hydrater, etc. Et je me force à boire plus de liquide non alcoolisé, hein, bien sûr. Voilà. Donc en fait, à longueur de journée, je bois beaucoup, beaucoup. Je bois beaucoup d'infusions. Voilà. Oui, je vais également remettre en route, pour ceux qui ne sont pas, enfin, il y en a peut-être d'entre vous qui sont au courant et d'autres qui ne le sont pas. J'ai une seconde chaîne ASMR, non, pas du tout, n'importe quoi. J'ai une seconde chaîne qui s'appelle Lady Stories, que j'ai depuis longtemps, mais sur laquelle je ne mets vraiment pas beaucoup de vidéos. Ce n'est absolument pas de l'ASMR. Ce sont des vidéos où je parle de sujets bien particuliers, donc qui me concernent ou qui concernent des proches ou amis ou que je connais qui vivent ce genre de choses. Et voilà, donc si, enfin, je vais remettre de façon un peu plus régulière aussi des vidéos sur cette chaîne-là. Voilà, donc je vous le dis, puisque là, bientôt, à moins que d'ici à ce que j'ai mis cette vidéo en ligne, elle y soit déjà, mais allez voir sur Lady Stories. Donc c'est Lady, le lien est dans la propos, hein, de toute façon, dans ma comment ça s'appelle, la bande comment ça s'appelle, dans la bande de couverture, enfin sur ma chaîne, vous avez ma photo de profil et en haut il y a la
photo de couverture, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a justement, il y a pour Tipeee, Insta, je crois, et ma chaîne Lady Stories. Donc vous avez juste à cliquer dessus et vous allez atterrir dessus. J'ai très peu d'abonnés dessus. Le but n'est pas spécialement de me faire énormément d'abonnés, mais bon, après si c'est le cas, tant mieux. Hein, mais voilà, c'est juste des sujets dont j'ai envie de parler. Alors, bon, pour enfin, voilà, ceux qui me connaissent un peu savent que je crois au paranormal et tout ça. Mais il y a un oreiller là que j'avais posé quelque part qui vient de se casser la figure tout seul. Mais ce qui est étrange, c'est que je l'avais mis à plat. Hein, donc, et là, je viens de le voir faire comme ça et tomber. Sans que personne. Voilà, je suis toute seule là, donc j'ai même pas mes chats avec moi. Bref, bon, ben, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a effectivement du monde avec moi aujourd'hui, pendant cette vidéo. Est-ce que je disais oui, eh bien, il va y avoir une autre vidéo, Lady Stories. Donc, j'ai parlé sur cette vidéo de l'hypersensibilité. Voilà, puisque je suis hypersensible et mon fils l'est également. Et de l'agoraphobie, puisque je suis agoraphobe. Hein, voilà. Donc ce sont des sujets. J'ai parlé aussi de la déréalisation. Voilà, la déréalisation, parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai moi-même vécu et que ma fille vit encore souvent. Donc ce sont des sujets que je connais. Hein. De toute façon, il y a plein de pathologies comme ça enfin, que je connais bien. Hein. Donc je parlerai également d'autres sujets par la suite hein, qui vont venir. Je pense à des sujets comme je pense à des sujets comme l'alcoolisme, pour ceux qui connaissent des gens qui vivent avec cette maladie. Voilà. Ça a été mon cas, donc je peux vous en parler vraiment beaucoup. Je vais également parler de l'intolérance, parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui devient de plus en plus intolérant pour plein plein de choses et dans des domaines différents. Et ça m'insupporte en fait. Alors que je peux l'être également pour certaines choses, c'est ça qui est drôle. Non, enfin c'est pas drôle, mais voilà, on l'est tous plus ou moins, mais il y a quand même des choses où... Moi, ça me dépasse. Bon, bref, donc je n'en parlerai pas là tout de suite, mais c'est quelque chose que je souhaite aborder dans ma chaîne. Et également, tous mes coups de gueule, en fait. Je m'aperçois qu'au quotidien, il y a tellement de choses qui m'énervent, mais vraiment, qui me tapent sur les nerfs. Donc c'est rigolo parce qu'en même temps, je parle de vidéos de relaxation que je vais mettre en ligne. Et d'un autre côté, de mes coups de gueule avec toutes les choses qui m'énerve un max. Mais j'ai besoin que ça sorte. Et j'ai besoin de savoir si, si vous aussi ça vous arrive ce genre de choses. Et voilà, mais ça peut être, quand je dis les coups de gueule, ça peut être sur des choses mais complètement banales du quotidien, mais qui moi vont me... Voilà, vont me faire hérisser le poil. Et voilà, donc mes coups de gueule. L'intolérance, mon amour des animaux, le paranormal. Je crois que j'ai fait une vidéo. Oui, j'ai fait une vidéo aussi également sur le paranormal, pendant laquelle d'ailleurs il se passait des choses. Donc voilà, j'espère que vous y jetterez un petit coup d'œil, même si vous n'êtes pas abonné. Je mettrai, je pense, dans mes posts des petits rappels pour que vous puissiez aller jeter un œil aussi sur cette chaîne-là qui me tient à cœur, qui me prend beaucoup moins de temps de montage puisque il n'y a pas de décor, il y a juste un petit générique de début, de fin et voilà, il n'y a pas énormément de coupures à faire non plus. Donc le montage me prend beaucoup moins de temps et bizarrement c'est la chaîne sur laquelle je fais le moins de vidéos. Mais c'est pas évident non plus de faire des sujets maintenant avec tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce qui se passe aux infos, etc. On sait plus trop en fait ce qu'on a le droit de dire ou de pas dire.
C'est très très compliqué de savoir doser et je pense qu'il y a un peu de ça qui me freine. Voilà, la liberté d'expression est tellement mise à mal que bah, c'est pas évident de parler de certains sujets. Donc pour l'instant, voilà, je me limite à des sujets que je connais bien, que j'ai eu l'occasion moi-même d'expérimenter, enfin en tout cas soit de les vivre, soit de connaître des gens qui sont passés par là. Voilà, je ferai également une vidéo sur en rapport avec le diabète, puisque ma meilleure amie est atteinte de diabète de type 1. Je sais que c'est pas évident à vivre tous les jours également. Donc ce sont voilà, plein de sujets comme ça que je souhaite aborder. Sans donner forcément de. Tout en restant neutre et impartial, je ne veux absolument pas faire dans le jugement de quoi que ce soit, mais vraiment juste être. Que ce soit factuel, quoi, vraiment juste dire les choses telles qu'elles sont, telles que je les ressens, telles que mon entourage les ressent, voilà, mais sans donner forcément d'avis ou quoi que ce soit. Peut-être des conseils, mais après, ça, des conseils, chacun les suit ou pas. Et voilà, juste en fait un partage d'expérience. Et peut-être que juste le fait de visionner certaines vidéos qui parlent de certains sujets peuvent aider voilà, les personnes qui subissent ou qui en tout cas sont confrontées à ce genre de problématiques. Voilà. Voilà. Eh bien, sur ce, je sais que vous êtes toujours fidèles et... Je suis ravie d'avoir vos commentaires pour ceux que je connais déjà et pour tous ceux. En fait, je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me suivent, mais sans forcément mettre de commentaires, puisque des fois, il peut m'arriver d'avoir un commentaire, mais dans le commentaire, je me rends compte en fait que c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps, mais qui n'avait jamais osé mettre de commentaires. Et donc, je remercie aussi tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent, bien sûr, mais. Voilà, et qui mettent pas de commentaires, c'est pas grave, faut pas du tout vous sentir obligé d'en mettre. Moi, il m'arrive de regarder aussi des vidéos de personnes que je suis depuis longtemps, que j'aime énormément, et je n'ose pas mettre un commentaire. Je n'ose pas, déjà pour une chose, c'est que quand je mets un commentaire, c'est marqué Lady Triggers ASMR, et je veux surtout pas qu'on se dise que je mets un commentaire pour faire ma pub entre guillemets de ma chaîne, puisque c'est pas le cas en fait. Donc je préfère encore. Alors j'avoue que ça m'embête et que ça m'handicape par moment de pas mettre de commentaires, puisque c'est des gens vraiment que j'aime beaucoup et avec qui j'aimerais communiquer et échanger, ou même juste mettre un commentaire pour dire que la chaîne me plaît ou que la personne me. Voilà, me parle entre guillemets, je ressens plein de, voilà, de bonnes ondes de cette personne et que je trouve la chaîne géniale, etc. Mais j'avoue que bah, j'ai trop, enfin, ça m'est arrivé hein, d'en mettre, mais j'ai pas envie, voilà, que la personne se dise que c'est juste pour faire la promo de ma chaîne. Voilà, donc j'en mets pas et donc je comprends parfaitement aussi ceux qui n'en mettent pas. Chacun a les droits. Chacun, oh là là, chacun est libre de faire ce qu'il a envie ou pas, et pour ses, chacun a ses raisons aussi. Voilà, donc faites comme vous voulez. Vous mettez un commentaire, vous m'en mettez pas. Vous me regardez pas. Vous m'écoutez pas. Voilà. Après, je suis juste très très contente d'avoir vos retours et voilà quoi. Donc je referai souvent des petites vidéos blabla, peut-être pour vous raconter, je sais pas, bah dites-moi si vous avez envie que je vous raconte certaines choses en particulier, en soft spoken ou en chuchotement, voilà. Et je vais aussi mettre, j'ai bien envie de faire quelque chose, c'est de mettre en place aussi, donc là je vais vous mettre bientôt aussi un petit bêtisier bah parce que des fois c'est pas toujours évident hein, de faire des vidéos sans que tout se passe enfin et que tout se passe bien pendant la vidéo. Il y a toujours des couacs, que ce soit des oublis de voilà, je sais plus quoi dire, ou alors voilà, des choses qui peuvent arriver, comme tout à l'heure l'oreiller qui est tombé. Mais
Je vais mettre en place donc de temps en temps, peut-être après chacune de mes vidéos, faire un petit bêtisier à la fin de la vidéo en question que je viens de mettre en ligne. Je pense que je vais mettre ça en place aussi. Voilà, en attendant de faire ça, j'ai préparé un petit bêtisier qui dure vraiment pas longtemps, quelques minutes. Moi, je sais que j'aime beaucoup regarder ça. Je trouve ça amusant de voir aussi un peu l'envers du décor, de voir comment ça se passe aussi pendant un tournage. C'est toujours intéressant. Et ça me fait rire aussi. Et puis, je trouve que ça permet un peu mieux de connaître aussi la personne. Parce que là, je parle bien, voilà, je parle doucement, je bois ma petite infusion, etc. Mais il faut savoir que quand ça se passe mal, voilà, je peste aussi parfois, je dis des gros mots. Et bon, je trouve que c'est une façon aussi de découvrir un petit peu la personnalité de la personne qu'on regarde de façon régulière. Voilà, donc ça peut peut-être me rendre plus sympathique ou peut-être moins. Bon, mais en tout cas, c'est moi. Donc je vais vous mettre ça aussi bientôt. Voilà. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Et je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre, même si les jours raccourcissent, même si c'est bientôt l'hiver, même si on sent le froid, même si on est un peu plus déprimé, etc. Et continuez à vous faire du bien en faisant tout ce qui vous fait du bien, quoi. C'est-à-dire soit en regardant des vidéos. Ah, je ne sais pas parler aujourd'hui. Enfin, que ce soit en regardant des vidéos ASMR, si c'est ce qui vous procure de la détente, soit en prenant un bon bouquin, soit. Non, pas en prenant un bain, c'est pas écolo. Soit, je sais pas, prenez un bon bol d'air, détendez-vous un maximum, voilà, tout ce qui vous fait plaisir et qui vous fait sourire et qui vous fait vous sentir bien, et bien faites-le, quoi. Voilà, tant que ça porte pas préjudice ni que ça fait pas de mal à autrui, et bien faites-vous du bien autant que possible. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures.